va dire, à un niveau très élevé aussi au Dacia Spring Electric Tournament, ouais, qui était sur Rocket Baguette. Donc Rizier, ça va être effectivement le joueur à suivre du côté de Tundra. De l'autre côté, on s'attend à ce que Cash brille, mais il y a aussi l'expérience de Relative Wave avec Endpoint XO qui revient, bien sûr, le duelliste qui a brillé également hier face à nous, à Team Liquid et Gamers First. On est parti pour un BO7 haletant, je l'espère, entre les Quadrants et Tundra. Ouais, effectivement, le dernier match de cette soirée, le dernier quart de finale avant de se quitter pour ce soir et de se retrouver demain. Tundra face à Quadrant, les deux dernières orgues, les trois avec vous, avec Géo, à avoir été annoncé sur la scène RLCS qui s'affrontent, et on est parti avec le premier ballon dans les roues d'XO, le flip reset pour aller chercher le contre face à Rizex. Rizier tente de contrôler cette balle, il arrive à flick par-dessus Cash. La Team Wave qui devrait trouver XO sur le mur. Cash peut-être pour toucher ce ballon, ça ne trouvera pas de coéquipier, c'est Cassio qui renvoie. Attention, ça part très très vite et très fort. Rizier peut-être. Oh, Cassio pour terminer de travailler, redirect, il est parti à toute vitesse dans le couloir droit, c'est lui à la base de la passe, et donc un 1-2 superbe. Ouais, la lecture, zéro hésitation, hein. Il est allé très très vite, c'est un rush Cassio sur le ballon directement pour aller marquer un but. Est-ce que l'instinct de Boyan ne serait pas très très affûté? En tout cas, ça part très très bien pour l'ami Andy et pour son équipe, surtout qu'on va aller inscrire le kick-off goal avec Rizex qui profite d'une erreur de lecture dans la défense de Quadrant. Et puis ce, voilà, un kick-off assez suivi très très proche, où Relative Wave s'est complètement loupé sur la lecture, hein. On a consommé énormément de boost, parti dans les tribunes de Malfin Knight 2-0 donc pour Tundra eSport. Quel début de match en tout cas là pour Cassio et ses coéquipiers. Très bon contre ici obtenu, ça va profiter encore une fois au joueur de Tundra. Très bon bloc là ici sur Cash, on va repartir avec Relative Wave, peut-être une solution. Il a été démoli mais finalement ce ballon récupéré par XO. L'interception de Rizex, ballon qui va être dégagé par la Team Wave, ça va être sans danger pour Rizier, quoique ici on a XO qui est là, très bon pitch à part dans le camp des Quadrants. Ça peut peut-être même profiter à Rizex qui va tenter sa chance, c'est pas cadré. Rizier devrait pouvoir turn, quoique on va laisser Cassio finalement intervenir. Rizex dans les airs qui va être battu par Cash, c'est dans le dos de Rizier, c'est dedans, non, Rizier finalement qui va réussir à toucher cette balle et à la mettre sur le poteau derrière. On essaye d'accélérer côté Tundra mais on n'arrive pas à en profiter pour le moment. Rizier qui va aller jouer le duel face à Relative Wave, c'est Cash qui peut repartir derrière avec le ballon. Pas beaucoup de boost pour lui, le duel face à Rizex, XO à la récupération qui sera battu par Cassio. Ouais, là d'ailleurs ça va combiner avec Cash effectivement qui s'est très bien placé, le contrôle orienté élimine un premier joueur, va-t-il bumper un deuxième défenseur, ça passera effectivement sous la barre transversale. Quel travail de Cash, mais surtout quelle passe magistrale de la part de Relative Wave, on a vraiment directement communiqué, envoyé le ballon sur le côté et Cash nous fait un super travail pour réduire l'écart. Ouais, Cash très à l'aise hein, dans cette position, l'anglais bien évidemment très très bon dans les airs pour aller chercher ce genre de petit play, le seul qui n'est pas en bout de camp hein, du côté de Quadrant. On a vu Relative Wave, XO et Snaski, le coach de cette équipe, tous ensemble. Attention, on a failli concéder encore un but un peu bête là du côté de Quadrant. Il y a eu un très bon retour de la part de Relative Wave. Cassio là qui va mettre de la pression sur XO, ça peut profiter un coéquipier, Rizex qui va toucher ce ballon avant Cash. Relative Wave sera le premier à la retomber. Rizier sur le backboard qui dégage, personne ne sera là pour prolonger, c'est XO qui récupère, il va tenter d'y retourner en deux temps, de jouer le contre, pas de pinch. Relative Wave derrière cherche le cadre mais c'est la barre qui est trouvée. Très bien dégagé, surtout c'est directement sur Cassio, malheureusement la touche est un peu manquée, on pourra pas conserver la possession. Rizex dans le corner, l'Allemand qui essaie de se jouer de la défense, mais on sera bien en place avec Relative Wave qui élimine un premier joueur. XO qui part vers l'avant, la chandelle est envoyée mais Rizex sera là en place tranquillement et il va essayer de prendre le temps d'aller négocier un 50-50 face à Relative Wave. Cash pour le contrôle, pas vraiment de solution, il va se faire directement bloquer, on est assez neutralisé pour l'instant durant ces 30 dernières secondes. Rizier peut-être de l'autre côté pour Cassio, finalement c'est Cash qui récupère. Cash qui essaye d'accélérer, qui va remporter le contre face à Rizex, pas de deuxième touche et Cassio a pu intervenir. Relative Wave pour accélérer, il sera dépossédé du ballon par Rizears. Ah, le flick pour passer par-dessus XO, la démolition en plus, double démolition, ça va libérer beaucoup d'espace pour Cassio qui tente de frapper directement. Ça manque de puissance, Relative Wave peut faire la parade. Cash qui va remporter ce contre très largement là face à Rizears. Attention à Rizex, le mauvais turn, ça a failli coûter très cher à Tundra. Attention, ballon dans le corner, il va falloir intervenir, on s'est complètement loupé. Cash va essayer d'aller chercher peut-être un read de l'autre côté face à Cassio. Mais le français est beaucoup plus rapide. Rizears, ouais, est-ce qu'on essaie de combiner? En tout cas, on perd la possession avec XO qui va être très rapide. Peut-être une passe dans l'axe. Il y a Cash en un contrat. La frappe surpuissante en pleine lucarne. Le poteau au contact, mais pas suffisant pour bloquer cette frappe surpuissante. La passe d'XO était également sublime. Il n'y avait personne pour bloquer.
J'ai peur, Ima, j'ai peur. Cash est énervé dès le premier match de cette série. Je suis très très inquiet pour Cassio et ses deux coéquipiers qui pour l'instant n'arrivent pas à stopper l'attaquant de Quadrant qui quasiment réussit tout ce qu'il tente. Depuis le début de ce match, encore un petit peu moins de 2 minutes à jouer. On le retrouve ici avec le duel très largement remporté. Cassio derrière qui va essayer de dégager en deux temps. Rizex à la récupération, ouais, pour lui-même. On va chercher le flip reset, ça passe par-dessus XO, mais Cash peut faire l'arrêt. Dommage pour Rizex là qui était vraiment bien parti. Rizex qui est là encore une fois, il y a une très belle passe pour Rizex. Le 2, la fin de Rizex, oh, malheureusement il sera démoli, on a perdu un peu de temps là sur la feinte. Cassio rapide, mais un peu moins que le défenseur du côté de Quadrant, alors que l'autre côté il se récupère parfaitement. Il va chercher le bump peut-être involontairement. En tout cas on repart rapide avec Cassio qui a beaucoup d'espace devant lui. Le flip reset est récupéré, ouais, il passe au-dessus, mais il y aura Cash sur le backboard. Oh, oh le compte tout de même la part de Cassio, on était pas loin d'aller chercher le troisième. Ouais, attention là par contre Relating Wave qui a un setup intéressant, Rizex qui est un peu court, pas de cadre trouvé par Relating Wave sur cette double tap, Cash est trop court, Rizex qui essaye là de prolonger pour lui-même, pas de double tap et XO va pouvoir dégager, Cassio ouais, qui est solide hein, face à XO, pas de soucis, il va réussir à écarter le jeu sur Izirn, on va 31 pinch, le duel face à Relating Wave, ouais, Cassio qui sera un petit peu court face à Cash, la balle qui file dans l'axe mais personne n'est là côté Quadrant, c'est Rizex qui renvoie. On cherche le cordeur, Rizex qui va y retourner, finalement la passe backboard, Relating Wave c'est raté, Rizex qui tente d'en profiter mais on sera trop loin et c'est dégagé par Relating Wave. Ouais, Cash peut-être pour une double tap, on aura Rizex qui est parfaitement placé sur le backboard qui repart très rapidement avec un 50-50 perdu face à XO. Cassio dans les airs, qui a pas mal d'espace devant lui, va pouvoir essayer de pousser un petit peu dans le corner, très bon bloc de la part de Cash, finalement c'est Rizex qui repart une première touche de balle, pas de pinch, heureusement on a Relating Wave qui vient bloquer. XO peut-être en pinch, oh la frappe puissante, ça surprend tout le monde, ça va sur le poteau et heureusement on va écarter sur le côté, très bon bloc derrière, Cassio qui tente le bump, malheureusement il se fait bumper sur le ballon. Ouais, Cassio là qui va pousser cette balle dans le corner, le rebond est défendu par XO, c'est pas très bien touché, Relating Wave sera le premier, il arrive à éliminer Rizex, XO pas de petit dunk, Relating Wave, ouais, il a tenté de se créer une dernière opportunité mais la balle va frapper le sol, on part donc en overtime de partout entre Quadrant et Tundra sur ce premier match et le kick-off là qui a l'avantage de Cash qui va aller se présenter face à Cassio, le pique est bon, ce n'est pas 4D, XO derrière sera là pour conclure encore une fois, c'est Cash qui vient faire la différence pour cette équipe de Quadrant, 6 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu en overtime pour qu'il s'impose. Ouais, le flic est excellent, vraiment de la part de Cash, la passe décisive est bonne. On a vu la caméra de Cash, hein, il criait come on, vraiment, voilà, ils étaient ultra déterminés sur cette première manche. Une belle remontada hein, puisque Tundra était quand même devant avec deux longueurs d'avance. Ouais. Et quel retour encore une fois avec ce superbe travail de Cash, j'ai quasiment envie de dire de hauteur d'un triplé. La passive pour la fin, c'est vraiment le joueur qui fait la différence côté Quadrant. Ouais, il est très très bon comme prévu. On n'est pas surpris par Cash qui se montre très souvent très à son avantage. Et comme tu l'as dit, il a peut-être enfin trouvé une équipe à la hauteur de son talent cette saison hein, qui brille pour l'instant. Mais bon, c'était très bien parti l'année dernière avec Misfits aussi. Arrivé au moment crucial de réussir à se qualifier pour le Major en Suède, ça avait de choc. Donc moi, je ne serais pas rassuré tant que je ne vois pas Cash se qualifier à un Major. Mais là, cette saison, je trouve que les signes sont encore plus ouverts. Ouais, effectivement, pour l'instant, ils sont à la quatrième place. Hein. Ils sont virtuellement à Rotterdam. Mais il faudra confirmer et il faudra aller chercher tous les points possibles. Que ce soit aujourd'hui, potentiellement demain et bien sûr dans 2 semaines, genre de Quadrant effectivement avec cette toute nouvelle équipe avec, alors je sais pas, il me semble que coach Snaski est derrière, oui. Il y a un quatrième joueur, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a, peut-être est-ce Polar le sub, je ne sais pas, en tout cas, on a beaucoup de staff de part et d'autre du terrain, c'est friqué de l'autre côté. Cassio va pouvoir engager avec ce premier ballon, on part dans la deuxième manche pour l'instant avec... Opération tranquille pour Rizirz, ouais, il passe très rapidement au-dessus d'un premier joueur, ballon dans le corner, on est en 3 contre 1 avec Rizex, on a des bumps mais il n'y aura pas vraiment de solution pour aider Rizex. Allez, Relating Wave là qui va se saisir du boost. Oh, le petit bandgame pour éliminer Rizir, c'est très très bien fait. Derrière, le duel face à Cassio qui va amener le ballon de l'autre côté. Cash qui va tenter un pinch, ça repart au milieu. C'est XO qui sera le premier. On va chercher une double tap. Mais Rizex à la lecture sans problème. Relating Wave qui va mettre de la pression. Cassio qui va réussir à éviter le bump. Pas beaucoup de boost. On décale vers Rizex qui arrive à éliminer un premier joueur. Cassio qui n'a plus de boost, mais il a un open qu'il va aller conclure. Et comme lors du premier match, c'est lui qui vient ouvrir le score dans cette rencontre. Eh oui, c'est un 1-2, un nouveau. Je ne sais pas si c'était Rizex tout à l'heure pour la remise. En tout cas, c'est encore une fois très bien fait. Hein. Ces contre-attaques très rapides, ces transitions qui sont dévastatrices hein, pour l'instant pour les Quadrants là, qui
peut-être donne beaucoup trop offensivement. Derrière, on a du mal à se replier. Voilà, tu vois, lui est parti très rapidement. Flip Rizet. Parti très vite dans les hauteurs. Il y aura Rizier, pour bloquer. Cash. Ouais, est-ce qu'il a encore un dash? Effectivement, on va essayer de frapper au but. On sera très bien placé en défense. Ouais, Relativement là qui va remettre cette balle dans le corner pour lui-même, hein, mais le duel est très à la faveur de Cassio. Xo, oula, l'anticipation de la lecture n'était vraiment pas bonne du côté d'Xo. Et Rizirs qui essaye d'en profiter, la passe malheureusement était un peu longue, hein, pour Cassio. Rizex à la récupération, peut-être pour essayer d'accélérer, créer une différence. Il sera finalement contré par Xo. Il n'a plus énormément de ressources, on voit Cash dans l'axe, il tente le mind game, ça passe. Oh, et derrière, c'est deux joueurs de Toundra qui sont venus le stopper, ça laisse un open pour Relative Wave et ça finit au fond, Quadrant égalise. Ouais, ça fait du mal là, ce double commit, là déjà on se loupe et derrière Rizex et Rizirs qui n'arrivent pas à communiquer, on pensait vraiment avoir le contre à deux, finalement le 50-50 est parfait du côté d'Ixo. Relative Wave voit tout, voit juste, voit clair et vient chercher une égalisation. Et encore une fois, bah, c'est Toundra voilà, qui donne le rythme et finalement qui a du mal à concrétiser, qui a du mal à garder ses avances. Et là, c'est encore une fois une frappe de cash, complètement personne au milieu de terrain, 2-1 quadrant. Ouais, une démolition, là, la lecture de Cassio sur l'anticipation de la passe et Rizex qui n'est pas dans le champ de la caméra. Je sais pas trop ce qu'il faisait, mais en tout cas, c'est dommage de concéder deux buts aussi rapidement à la double punition du côté de Toundra. Le but into kick of goal derrière et on se retrouve mené au score alors qu'il démarrait plutôt bien ce match. Et attention à Cash là qui a la possession du ballon, un peu de boost, il est bloqué par Cassio. Rizirs qui va avoir un petit peu de temps pour contrôler, quoique il s'est fait rapidement démolir par Cash. Relating Wave à la relance, ce sera sans problème pour Rizirs. On arrive à contrôler cette balle, le flic derrière, ce sera bloqué par Relating Wave. Rizex, oh, j'ai cru qu'il était court, mais ça reste dangereux. Xo le contrôle pour éliminer Cassio, il a juste. Et ça va au bout, quel but d'Xo. Et oui, forcément, tu as l'âme d'un dueliste. Xo qui va donc contrôler avec l'espace qu'il a, même alors qu'il y a 3 joueurs sur 2 mètres carrés, il va quand même essayer d'y aller tout seul. Et je crois que c'est un petit contre son camp. Hein. Je ne sais pas si Xo pouvait la reprendre. En tout cas, vraiment, il fait une différence notable. Cash, de nouveau. Oh, en plus, il y a Xo de l'autre côté. On va chercher la double tap. On envoie le ballon au sol, mais ce ne sera pas suffisant. Rizex, on va pouvoir prendre son temps pour récupérer. On est sous pression là, avec le supersonic de côté de Relative Wave. Oh, peut-être une remise dans l'axe. Frappe d'Xo. Il a peut-être une lecture. Oh, il a complètement déserté la responsabilité. Ouais, il avait pas de boost et je pense qu'il a préféré aller chercher de la ressource, mais il va marquer derrière. Oui, voilà, il saute, pas de problème, puisque avec cette très jolie petite touche, il a réussi à mettre dans le vent deux joueurs de Toundra qui avaient sauté superbe. Tout simplement. Hein, on voit Cassio sans boost, Rizirs sans boost, Rizex qui se fait éliminer par cette touche, Xo qui fait encore une fois un très joli travail, ça fait 4 pour Quadrant, l'addition commence à être salée. Ouais, ça fait très mal effectivement, en l'espace de 2 minutes, on a 4 buts inscrits de la part de Quadrant. Alors que Toundra vraiment arrive toujours à rentrer dans ces matchs comme jamais. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être un deuxième but ici? Oh, c'est non. Complètement open et on s'est un peu loupé. Rizex peut-être finalement, bonne défense de la part d'Ixo. Il y a encore des opportunités en tout cas pour les Toundra. On a ici une passe peut-être en frappe enchaînée, mais on a laissé le temps au quadrant de revenir, on peut bloquer. Oh, et attention parce qu'on s'est pump entre Cassio et Rizirs, ça pourrait coûter cher finalement. Non, Ixo n'avait plus de ressources. Oui, 2-3. On va tenter la transition à la passe vers Rizex, le tir est cadré mais c'est sans problème pour Relating Wave, ça venait de loin cette frappe. Ixo là qui va essayer d'aller jouer le 50 face à Cassio qui arrive à passer en dessous. Ouais, Cassio qui est passé devant le but, je crois qu'il cherchait un bump, mais Cash a pu remporter le duel. Rizirs là qui rend complètement cette balle à Ixo, on cherche la connexion avec Cash mais c'est bien coupé par Rizex. Ouais, Cassio qui s'infiltre en deux temps, c'est la barre transversale cette fois-ci qui vient aider les quadrants à conserver ses 3 buts d'avance. Très belle touche de la part de Rizex qui va feinter pour Rizirs. Frappe directe encore une fois bloquée par Relating Wave. Cassio peut-être là en réflexe, Rizex, ouais, c'est compliqué. Le ballon qui lui arrivait vraiment un peu trop vite dans les tibias et c'était compliqué d'ajuster derrière. Bloc de la part de Relating Wave. Pour l'instant, on est vraiment très serein défensivement. Relating Wave qui élimine les joueurs les uns après les autres. Peut-être ici un ballon pour Rizex, on passe dans l'axe à Rizirs. Et encore une fois, une belle relance de la part d'Ixo. Dans toute la défense, il va falloir tout reconstruire côté Toundra. Ouais, il faut repartir de très très loin et Cassio le fait bien, hein, mais là il faut l'accompagner. Rizirs a été bump, Rizex qui finalement va prendre un excellent challenge, il y retourne, il arrive à battre Relating Wave, Cassio à la retomber, c'est le poteau. Rizirs derrière qui est contré par Relating Wave, on se crée de bonnes occasions là du côté de Toundra, mais on n'arrive pas à les conclure, c'est dommage. Hein. Ça se joue à chaque fois à quelques centimètres, là cette passe de Cassio ne trouvera personne, hein, si ce n'est Xo, Relating Wave, je crois qu'ils ont pinch pour dégager. Rizex il va se faire contrer par Cash, Relating Wave fait le turn, je crois que c'est open pour lui, il essaye de la redresser et ça pousse au fond.
On met chirurgical du côté de Cuadran. Le moindre open se transforme en but. Ça fait 5-1. Ouais, quelle frappe, hein. Vraiment quel angle. Il a assuré le tir. Je sais même pas. Il me semble qu'il dash même pas. Qu'il avait déjà assez de vitesse. Ouais. Et l'impact est suffisant pour aller chercher le cinquième but. Déjà la Manita pour les Cuadran. Elle n'est pas parfaite cette Manita. On a quand même un but de Toundra. Talonnade tentée de la part de Rizek. Ça suffira pas. On va aller chercher donc les tacles assassins. Peut-être une frappe enchaînée. Et le Ratching Wave, bah, en fait, il s'est fait bumper. Mais du coup, il est au bon endroit. Ah, et Cassio là qui essaye de trouver Rizirs, Cassio qui ne peut pas y retourner, il y a eu un raté d'Ixo, Rizex qui tire, mais ça dommage. Manque de calcium hein, là pour inquiéter Relatico avec cette frappe, elle était molle de la part de Rizex, Rizirs qui va récupérer le ballon, il n'a pas de boost mais il arrive à trouver un bon service, Cassio montre à ses coéquipiers comment envoyer un bon boomer dans le fond du but, ça permet de réagir sur la fin de match. Ouais, la passe est bonne et puis c'est mérité pour les Toundra, on a frappé trois fois sur les montants. Il y a eu de très bonnes phases défensives de la part de Cuadran également, hein, des blocs sur les frappes. Et Toundra, on verra sûrement les statistiques à la fin du match qui étaient quand même très engagés dans cette rencontre, mais pas assez efficaces. Et surtout, on voit les Cuadrans qui sont quand même beaucoup plus tranchants. C'est, dès qu'il y a une occasion, elle est quasiment au fond parce qu'on a les Toundra qui ne sont pas vraiment présents, qui se font contrer. Il y a quelques double commits tout de même également. Même si offensivement, vraiment, c'est propre. Hein. Ça peut jouer très très bien du côté des Toundra. Il y a encore quelques détails à réajuster pour aller défier ces Cuadran. Ouais, tu l'as dit, ça manque un peu de précision offensivement, mais moi, Toundra, ouais, ce qui m'inquiète surtout, c'est leur défense, parce que Cuadran, ils sont très réalistes, et du côté de Toundra, on leur a offert au moins deux, voire peut-être même trois buts sur cette game qui était vraiment évitable. Donc c'est dommage de se plomber un petit peu comme ça. Voilà, on va voir si Friki et ses trois joueurs arrivent à fixer ça avec l'aide du temps mort, un petit peu de temps supplémentaire pour discuter, pour essayer de lancer cette série du côté de Toundra qui est menée donc 2-0 par des Cuadran qui, je trouve, sont de plus en plus impressionnants. Ouais, ça monte en puissance effectivement et il va falloir un Friki avec ses meilleurs conseils, ancien joueur de Mokit Sport avec Pachi 90 et aussi de Renault Vitality notamment. Est-ce qu'on a de quoi remonter le moral des troupes? Cassio qui est quand même là pour l'instant, qui arrive à marquer, mais c'est vrai qu'on a un Relative Wave, on a vraiment de la présence défensive en face. Belle équipe de la donc du côté de Cuadran, une belle performance et vraiment énormément de qualité, vraiment d'efficacité devant le but. Et c'est un groupe complet pour moi, vraiment Cuadran, c'est un groupe qui va faire peur et c'est un groupe qui mérite d'aller au Major. Ouais, sur ce qu'on voit d'eux, sur ce premier split, totalement. Moi, j'avoue qu'avant le début de la saison, j'émettais des petits doutes sur Ixo, surtout. Je doutais pas du tout de Relative Wave et de Cash. Mais Ixo, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça. Et là, je trouve qu'on retrouve le Ixo de Galaxy Racer, RLCS X. Deuxième split où à un moment ils étaient à deux doigts d'aller chercher BDS qui était en train d'écraser toute l'Europe et Ixo était hyper impressionnant et là ce but qu'il met, on s'en rend peut-être pas assez compte, mais le contrôle est fou, genre le contrôle. Ouais, ouais. Le vouloir le faire déjà. Oui. Avoir l'idée de le faire dans cette position, déjà, c'est vraiment, vraiment très, très inspiré, mais il le réalise tellement bien, il fake un joueur et derrière, il arrive en plus à accélérer, à enchaîner. C'était vraiment un but, c'est vraiment un but de fou, ce qu'il a mis. Ouais. Et il est dans une très, très grande forme. Il avait déjà été excellent face à BDS lors du premier régional hein, pour remporter le quart de finale et il est toujours aussi bon. Donc, on a un XO retrouvé avec Cash et Relative Wave qui sont toujours très bons. On a juste une très belle équipe de Cuadran, tout simplement. Ouais, c'est superbe pour l'instant et les Toundra qui ont deux longueurs à aller chercher contre les Cuadran pour égaliser dans ce BO7, dans ce quart de finale du deuxième régional. Est-ce qu'on a une première possession peut-être pour Izirs? On a envoyé le pinch sur Cassio en profondeur, c'était un peu lointain. Et malheureusement, on ne pourra pas capitaliser. Bloc de Rizex. Est-ce qu'on a Rizirs là qui hésite un petit peu hein. On a pris le 50-50 derrière du côté de Cash. Cassio, frappe cadrée, qui fait engager Cash, mais finalement on va pouvoir s'en sortir avec Rizex. La démolition, la frappe peut-être de Relative Wave, elle sera sans danger si on communique bien. Ouais, Rizirs là qui va aller prendre le duel face à Ixo, ça ramène le ballon de l'autre côté, le rebond pas forcément évident. Hein. Cassio sera quand même le premier à pas grand chose face à Cash. Il écarte le jeu vers Rizirs qui arrive à éliminer Ixo. Rizirs qui tente de remettre à Cassio, c'était bien fait, mais Relative Wave était bien positionné pour couper. Le duel qui va profiter à Cash, il fixe Cassio, mais le français est solide. On lui fera pas à Cassio, effectivement, il était vraiment bien placé. Attention Ixo, on dévisse le ballon de l'autre côté pour Relative Wave. Est-ce qu'on a un jeu en triangle avec Cash? Une transition défense-attaque absolument sublime et le wall read.
était de toute beauté également. Cash de nouveau. Ouais, Rizir qui vient écarter le danger pour l'instant. Mais c'est pas fini. On a Relative Wave en seconde lame pour essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation des Toundras. XO. Ouais, il va pas pouvoir faire grand chose. Hein. Patrick Preset, le ballon lui échappait un petit peu. Cassio pour la lecture. Ce sera dans le corner des quadrants. Cash qui va pouvoir contrôler, relancer avec le flic, mais le ballon la fuit. Hein. C'est Rizex qui a pu récupérer. On part dans les airs, on cherche une passe pour Rizir. La première touche est bonne. Derrière, une autre connexion peut-être à venir au Rizex. Oui, Cassio, on ne s'est pas compris. Heureusement, Cassio va remporter son 50 face à XO, mais ça aurait pu coûter très cher. Hein, ça, du côté de Toundra, joli travail là de Rizir. Rizex qui va se faire contrer par Relating Wave. C'était très dangereux, mais XO très tranquille. Hein, a pu mettre une bonne touche de balle. Une démolition derrière après le flic. On voit Cash qui arrive lancer. Rizex qui est très patient, mais le respawn de Cassio qui a gêné l'Allemand. Finalement, on va pouvoir dégager côté Toundra. Hein, Rizex, la touche en marche arrière. C'est un peu compliqué côté Toundra. On tente l'étalonnade quand on n'a pas vraiment l'avantage. En tout cas, ça essaie de belles choses. Attention, peut-être une occasion pour les quadrants. Finalement, c'est complètement open. Effectivement, finish ce duel-là aérien. Fait très très mal au Toundra eSport. Que vraiment, bah, ils en ont pas besoin. Oh là là, Rizex. En plus, je pense que sur sa caméra, il pense être premier tous les jours. Et au dernier moment, on lui pique le ballon parce que Cash, bah, en fait, il vient de son angle mort. Ouais, ouais, et puis on le voit baisser le nez de sa voiture et du coup il passe juste à côté de cette balle et c'est puni directement par des quadrants toujours aussi froids dans ce quart de finale. On le ratait d'XO, Rizex un petit peu surpris, il sera battu derrière par Relating Wave. XO, on le retrouve ici avec le contrôle, ouais, il ne pourra pas rejouer cette balle, il n'a plus de boost. Rizex qui va essayer de contrôler, Cash qui va aller prendre un duel très agressif. Relating Wave, il part de très très loin, la face à Cassio, il sera trop court pour aller gêner le français Rizirs à la relance, mais ça rend le ballon à Cash. Ouais, Cash qui va pouvoir contrôler tranquillement de l'autre côté, il a un temps d'avance sur Rizirs, mais pas sur Rizex. Voilà, l'Allemand qui va pousser un petit peu, Cassio qui hésite effectivement. Il y a deux joueurs du côté de quadrant pour essayer de, voilà, d'aller essayer de piquer le ballon à Rizirs. Ouais, peut-être un flip reset, un bump, une touche ultime avec le air-roll, c'est superbe de la part de l'Allemand qui élimine les trois joueurs, 1 contre 3. Ouais, très très bien fait de la part de Rizirs et c'est ce qu'on attend de lui, hein, voilà, d'être capable d'aller faire ses différences, d'aller inscrire ses buts pour lancer son équipe. Voilà, peut-être grappiller de la confiance, essayer d'avoir un petit peu de momentum grâce à ses solo plays à Rizirs. En tout cas là, ça leur permet de revenir à un partout. On est bientôt dans les deux dernières minutes de cette rencontre. Et là on a Cassio qui va venir contrer XO, Rizirs qui va pouvoir profiter de ce ballon, la touche de balle est manquée, Relative Wave derrière qui vient contrer Rizex, ça part au milieu, XO qui va réussir à éviter l'Allemand, ouais, il accélère derrière, il prend le meilleur face à Cassio, mais c'est Rizirs, qui va pouvoir dégager. Oui, c'est contré par un joueur qui était déjà dans les hauteurs, Relative Wave encore une fois, hein. Sa réputation chez Endpoint le suit très bien, la tourelle offensive et surtout aérienne, il coupe absolument tout ce qui part dans les airs. Oh là, attention Rizek, le travail est incroyable. Finalement Cash va chercher le bloc, XO en un contre un, c'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il aime bien, et finalement le frappe ne part pas. Rizirs était bien en place et on va pouvoir contrôler. Est-ce qu'on a un peu d'espace là pour l'Allemand? Ouais, une touche intéressante mais pas suffisamment pour bloquer Cash. Et attention parce que Relative Wave, il était en train de bump Rizex qui va se faire démolir par XO. Cash qui tente sa chance de très très loin, mais Rizir est de retour et de toute façon la frappe n'était pas cadrée. Attention, la Relative Wave qui s'impose là-dessus, le flic derrière, il va essayer une double tap qui sera bloquée par Rizex. Ouais, XO qui arrive à passer en dessous de Cassio, Rizex derrière à la lecture qui sera contré par Cash. Relative Wave qui a peut-être un ballon intéressant, il a pris le meilleur sur Rizir mais il ne trouve pas le cadre. Et derrière XO qui a un petit open puisque Cash, comme tu l'as vu, avait bump Cassio mais ça n'a pas suffi. Ça manquait beaucoup, ça vraiment manquait de puissance, hein, tout simplement. Alors qu'on a Cash qui repart à une minute de la fin du temps réglementaire, le 50-50 peut-être. Est-ce qu'on a un joueur bleu de l'autre côté? Finalement, ce sera un ballon pour Rizex. Frappe cadré, sans danger pour XO qui va isoler le ballon dans le corner. Et Rizex qui va essayer de s'engager. Ça profite à Cassio qui repart, mais finalement, un ballon aérien qui est perdu directement. On a du mal à combiner du côté des Toundras. Attention Rizex. Ouais, finalement, c'est une frappe puissante de Cassio, mais un peu au sol. XO va pouvoir repartir, beaucoup de ressources, on élimine un premier joueur, il n'a plus qu'à toucher ou chercher le bloc. Penalty, effectivement, pleine lucarne pour Cash qui vient donner l'avantage à 23 secondes de la fin du temps réglementaire. Ouais, c'est facile hein, ça pour Cash qui profite du très très bon travail de la part d'XO, encore une fois, hein, qui fait tout le taf sur cette action. Cash, tu l'as dit, penalty, c'est en pleine lucarne, c'est facilement transformé, 23 secondes pour permettre au Toundra eSport de revenir, peut-être chercher une prolongation. Mais là, le kick-off n'est pas du tout en leur faveur. Rizex qui vient contrer Relating Wave. Rizirs qui va manquer sa touche de balle. Attention à ses petits ratés. XO qui vient remporter un duel très important. Cash qui part pour aller contrer Rizirs. On arrive à enfermer les Toundras dans leur moitié de terrain qui ne se montrent pas dangereux sur cette fin de match. Peut-être ici, Rizirs encore une fois qui va manquer le ballon. Il m'a
beaucoup de petites imprécisions côté Tundra qui leur coûtent très très cher au final. Ouais, on va regarder ce ballon et effectivement on va laisser tomber du côté de Cash les quadrants qui vont s'offrir 4 balles de match et la possibilité d'aller affronter les Vitality demain ici à 18h. Quadrant qui vraiment sur belle lancée, même si on sait, on sent que les Tundras ça pousse, mais ce n'est pas encore suffisant. On a énormément de qualité tout de même du côté de Quadrant et c'est dommage hein, parce que c'est vraiment ces espaces là un peu délaissés où c'est complètement déséquilibré. Dès qu'un joueur part dans les airs, c'est le danger à porter directement du côté de Quadrant. Dès qu'on a 2-3 joueurs qui arrivent à enchaîner les frappes aussi, on a du mal à se dégager, on a du mal surtout à construire du côté de Tundra, à jouer un peu ensemble comme ils l'ont fait sur la première manche où ça a été beaucoup plus serré. Mm-hmm. On avait vraiment 2 buts inscrits très rapidement par les Tundras. Là, on a vraiment du mal à les voir remonter. Ouais, ça semble compliqué. J'ai l'impression que Tundra, dans un bon jour, gagne cette série. Mais il y a des frappes qui sont mal assurées, il y a des touches ratées, il y a des petites erreurs en défense, il y a plein de petites choses qui font que ça rend les matchs compliqués. Ils se rendent en fait eux-mêmes leurs matchs compliqués, j'ai l'impression, et ils sont face à une équipe de Quadrant qui est solide, réaliste, voilà, qui tient très bien dans sa moitié de terrain, qui contre-attaque s'il le faut, qui est capable de mettre de la pression s'il le faut, d'avoir soit un XO, soit un Cash qui va faire des différences offensivement. Donc elle n'est pas facile à manœuvrer, et pourtant, on sent qu'il y a un coup à jouer, il y a quelque chose à faire, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Ouais, Quadrant qui sont pour l'instant sur le deuxième régional, ils n'ont pas encore perdu le moindre BO. La seule équipe hein, pour l'instant, puisque BDS, on a perdu un seul, mais le mauvais. XO repart dans les airs, on va récupérer le reset sur le ceiling, il me semble. On va pouvoir l'utiliser, une passe dans l'axe, mais heureusement, on sera là du côté de Rizirs, puisque c'était une passe un peu trop téléphonée. Cassio, il a l'air de manquer de ressources effectivement. Relation Wave qui est en totale confiance, hein, qui va envoyer ce ballon sur le backboard. Il était défendu par son coéquipier, Rizex. De l'autre côté, est-ce qu'on a un read peut-être? On est en supériorité numérique avec la démolition. Peut-être ici pour Cassio. Non, c'était Rizirs à voiture rouge. Allez, Relating Wave à la relance, attention, il a pas mal d'espace, il va aller chercher une double tap, elle est impossible pour lui à rentrer. Rizex était de retour, Cash qui essaye de mettre ce ballon très très haut, il ne pourra pas la jouer en deux temps. Ouais, Rizirs, heureusement qu'il y a quelqu'un qui surgit, je crois que c'est Rizex qui a pu la remettre à son coéquipier, qui met un bon flic, hein, mais ce sera repris derrière par Cash. Rizex, ouais, qui va réussir à éviter la tentative de contre du Britannique, mais c'est contré par XO. Cassio, ouais, qui se heurte lui aussi à XO derrière Relating Wave, qui va chercher une double tap, il va la rabattre Relating Wave. C'est sur l'arrière de l'Oclan de Rizex. Allez, ça repart effectivement. Être ici une déviation de la part du XO, le bloc éliminé. Heureusement, on a Cassio qui vient mettre le contact pour essayer de dévier ce ballon. On a encore une fois un corner, Rizirs pour Rizex peut-être. Non, pas de bloc malheureusement, et on laisse un peu jouer Cassio. Avec un flip reset récupéré, peut-être une frappe ici malheureusement. On a un peu trop erreur et on a perdu un peu la possession. Relating Wave, lui va partir très très vite, le bloc peut-être. Avec cette construction, le siège va commencer. Cash part dans les airs, on a deux joueurs en l'air et on a un qui cancel. Attention ici à bien se relancer. Superbe intervention de la part de Rizex. Oh, la touche de Relating Wave, compliqué pour XO, la frappe de Rizirs, pas cadré. Cassio derrière, un peu surpris par la relance d'XO qui va aller démolir Rizex. Cassio qui tente une redirect mais c'est bloqué par Relating Wave. Rizirs cette fois-ci va trouver le cadre, mais c'est sans problème pour Cash bien positionné. Ouais, il va relancer, rendre ce ballon directement à Rizex, l'allemand, qui va se faire bump, il ne pourra pas y retourner, il faut du soutien. Et à Cassio qui vient contrer Relating Wave, c'est bien fait. XO derrière tente sa chance de loin, mais c'est sans problème pour Rizirs. Ouais, Rizirs avec le flic, la position de contre, c'est bien fait face à Relating Wave. Rizex derrière qui essaye de prolonger, on cherche le backboard, Cash va manquer sa lecture. Cassio frappe, le cadre est trouvé, mais on est encore en place dans la défense de Quadrant. Ouais, il loupe sa lecture et il loupe pas là le sauvetage est encore plus compliqué finalement. Ouais. Quelle intervention encore une fois de Cash. Là on arrive à s'en sortir avec Rizex, une touche de balle pour récupérer. Très bon cut de la part de Cassio, on va peut-être heurter le backboard sans qu'il puisse être défendu. Quelle lecture encore une fois d'XO, il va pouvoir repartir, mais sans ressources, ça va être compliqué de continuer l'effort. Cash, Rizirs, peut-être dans l'axe, finalement on se bloque mutuellement avec Relating Wave, Cassio, l'expérience qui parle dans les airs. Rizirs, il y a pas mal d'espace pour lui, il a quelques ressources à faire jouer, mais on sera directement bloqué par XO.
à la Team Wave de l'autre côté. Rezac s'y va envoyer en profondeur. Peut-être une déviation ici à venir. Finalement, on se loupe. Récupération et possession pour les quadrants. Ah, XO qui va essayer d'écarter le jeu vers Relating Wave. Beaucoup d'espace, personne ne saute sur Relating Wave. Il faut aller le stopper. Oh là 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 là. Bien sûr qu'il faut aller le stopper. Si on le laisse jouer, il va aller jusqu'au bout. Pourquoi personne ne saute? Côté Tundra, Rizirz, il a 100 de boost, mais il est tellement patient. On sort juste trop tard, mais en ouais, fait. Mais oui, bien sûr. Rizirz avec 65 de boost, tu l'as bien souligné, qui avait des ressources, mais qui s'est pas vraiment engagé. Du coup, on a deux joueurs sur la même ligne et bah forcément, on a les mêmes réflexes humains. On peut pas vraiment réagir alors qu'on avait la possibilité de s'engager, y aller à fond. Il n'y a pas de ralentir dans cette situation. Il faut juste aller tout droit, essayer d'aller chercher un bump ou le ballon. Et puis derrière, on a une couverture avec le gardien, mais ce n'a pas été fait. On a donc Quadrant qui va aller chercher le premier but. Ici, à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire, attention, on essaie quand même de construire du côté Tundra. Peut-être un peu de répondant, mais on sent que les Quadrants sont en train de mettre la deuxième. Ouais, la frappe peut-être ici de Rizex, il sera bloqué. Rizirz peut-être, on pourra pas retoucher, on cherche le bloc face à XO. Cassio dans les airs, ouais, il évite le bump. C'est peut-être maintenant qu'il faut aller chercher le flip reset. Cassio, oui, Cassio pour l'égalisation. Oh, si Cassio met un flip reset dans une game et que Tundra ne la remporte pas, il va péter son crâne. Hein. Là, Cassio qui sort les mécaniques pour permettre à Tundra de revenir à un partout. C'est pas souvent qu'il a l'opportunité de le faire. Et voilà, il montre que lui aussi, il a travaillé ses mécaniques et qu'il est capable de rentrer de très jolis moves. Il va rester encore une minute dans cette quatrième manche. Et attention à la potentielle réponse de Quadrant. Ça a été bien bloqué par Rizex. 12 de boost, il essaie de temporiser hein, voilà, pour forcer Cash à sortir. Mais l'anglais qui a été très patient, très malin pour récupérer. XO derrière là, qui se fait démolir. Ça peut profiter à Cassio. Il a pris une meilleure face à Relating Wave. Cash ouais, qui se fait bump par Rizirz. Mais Cash qui arrive à démolir Rizex. Comment est-ce possible? Je n'ai pas compris, j'aurais plus vu l'inverse en tout cas. Gros avantage pour les quadrants avec XO, le contrôle. Ouais, il va simplement laisser son véhicule en opposition et ne pas sauter, ce qui lui permet derrière d'enchaîner. Un très bon contrôle de la part de Rizirz, il n'y a pas vraiment d'espace pour lui, on va chercher un 50-50 face à Relating Wave. Le loupé de Cassio, attention, finalement on va pouvoir s'en sortir avec Rizex. Il va prolonger son effort. Relating Wave. Ouais, pour un solo play, il a pas mal de ressources, ça va être compliqué de continuer. On va avoir Cash pour essayer de dévier, c'est sans danger pour la défense avec Rizex qui fait le contrôle orienté parfait. Attention au bloc, Cash dans les 5 dernières secondes, XO qui loupe son contrôle, il y avait une énorme occasion pour eux, on va s'en sortir peut-être avec Rizirz. Heureusement qu'on ne se bump pas, on peut remonter tout le terrain, Rizirz, peut-être un deuxième reset. Oh, ce serait une remontée incroyable et Cassio ne pourra pas relever ce ballon. Tundra a un but d'être éliminé dans ce quart de finale. Allez, un but effectivement et Quadrant irait rejoindre Vitality en demi-finale demain, mais pour l'instant le ballon il est bien dans la moitié de terrain bleu avec Rizex qui n'ose pas s'engager là sur le duel face à Cash et du coup l'anglais qui va s'échapper, il tente de fake un petit peu, il a été bump, il va réussir à trouver une passe, c'est bloqué par Rizirz, Cassio s'est fait bump, XO qui surgit pour empêcher la relance des Quadrants. Rizex, ouais, il a plus de ressources hein, il va lui falloir du soutien, Cash qui tente de frapper directement, il y a eu un petit peu de bump je crois dans la défense de Tundra mais on parvient à s'en sortir. Cash, ouais, peut-être pour un coéquipier, c'est Rizex finalement le premier sur cette balle. Dans la Team Wave, dans le corner, Rizex qui va le stopper derrière Rizirz pourra relancer. Attention, ça repart rapidement avec Rizirz qui essaie de déborder, ce ne sera pas suffisant face à Cash. On va en profondeur, très bon cut de la part de Rizex, quoique attention, on va avoir XO, on va avoir Cash qui cherche le bump, Relating Wave peut-être pour la frappe finalement, on a un très bon retour de Rizirz. Relating Wave dans les airs, on a Cash qui attend en couverture, en tout cas on est très près les uns des autres du côté de Quadrant. Finalement Rizex qui ne se laisse pas faire et n'est pas naïf, ne tombe pas dans le fake challenge, la frappe puissante, ouais, ce sera à côté. Rizex il a campé le boost pendant 4 secondes, j'ai cru qu'il partirait jamais. Heureusement que les joueurs de Quadrant ils étaient bloqués sur le wall, il attendait le boost, il l'a chauffé pour qu'il vienne et finalement il a fini par le récupérer. Heureusement ça n'a rien coûté à Tundra. Mais c'est compliqué. Tundra qui subit dans cette prolongation comme tout au long de cette série. Rizex là qui va réussir à dégager, c'est dans la course de Cassio qui s'impose face à Relating Wave. Rizex qui a suivi, il va prendre le compte face à XO. Ça peut peut-être profiter à Rizirz. Il y a eu un bump. Rizirz qui peut aller défier Cash. Ouais, c'est plutôt à la faveur du joueur de Tundra. Ouais, Relating Wave qui va laisser filer au second poteau. On joue des coudes, hein, pas mal de bump là. XO qui essaye de s'échapper. Il arrive à contrer Relating Wave dans l'axe. XO qui va tenter une redirect. Ce sera rendu à Cassio. Effectivement, très bonne relance de la part du Français dans les hauteurs. Ce sera Cash qui va récupérer rapidement. Cash qui prolonge et qui prend le 50-50, qui essaie encore de travailler. Frappe cadrée sans danger pour Cassio, vigilant. Et on lance Rizirz en profondeur qui prend son temps pour aller faire la frappe. On va toucher la barre deux fois du côté de Tundra et c'est pas terminé. Cassio peut-être la passe dans l'axe. On a un joueur, ça fuse, ça va vite, mais les Quadrants s'en sortent.
Cassio, il va falloir qu'il donne des training packs à faire à ses coéquipiers. On s'était cadré cette fois-ci pour Riziers, mais on est solide sur la ligne du côté des quadrants défensivement. Depuis le début de ce BO, il n'y a pas grand-chose à redire. Cash qui tente un wall read, c'est manqué. Xo derrière qui tente sa chance, ce sera bloqué par Rizex. On va retrouver Cash avec la possession de ballon qui essaye d'accélérer. Il est bloqué par Cassio. Le décalage cette fois-ci sera bien vu par Riziers qui renvoie. Xo, ouais, qui va chercher le contre sur Riziers. Ça part de l'autre côté. Cash dans les airs avant Rizex. La frappe est cadrée. Mais un excellent retour de la part de Cassio. Ouais, en deux temps, il est contré par Latin Wave. Ça repart dans l'axe du terrain. Riziers pour Cassio. Le flic est bon. C'est cadré, mais Cash va pouvoir contrôler. C'était même pas cadré. Attention, contre la casse qui remporte son duel, l'anglais qui va partir un petit peu, pas de boost. Et nouvelle airdrip tentée, Relating Wave dans le corner qui tente le read, finalement ce sera Rizex. Et avec Cassio, oh le pinch, il peut être défavorable pour Cash ici, finalement il va passer en dessous. Ouais, et oh là là, c'est compliqué, oh ça va être compliqué, Cash il a un open et il va frapper très fort. Ils vont frapper très fort les quadrants et ils vont se qualifier en quart de finale après cette démolition sur le dernier défenseur qui fait très très mal au Tundra. Et je propose donc que Boyan aille jouer chez Vitality et que Seizen nous rejoigne en tant qu'analyste sur Rocket Baguette tout simplement. Il avait anticipé le 4-0 de Quadrant. Prestation solide, hein, pas grand chose à dire. C'était un petit peu plus serré. Je trouve qu'on a retrouvé un bon Tundra là sur la fin de match qui s'est montré dangereux, voilà, un petit peu plus offensif, mais comme tout au long de cette série, eh ben, ils n'auront pas été réalistes, hein, ils se créent vraiment des occasions, mais on n'arrive pas à conclure, tout simplement, du côté de Cassio, Rizex et Riziers, qui voient donc leur parcours s'arrêter ici et qui se retrouvent avec le même nombre de points que BDS. Exactement, et reste à égalité à la cinquième place entre les Tundra et les BDS. Ça se jouera au Fall Invitational dans deux semaines. Et ça va être grandiose ce top 16, honnêtement, ça va chauffer de tous les côtés pour aller se qualifier pour Rotterdam, alors que Quadrant continue sa lancée, sa belle lancée, hein. Ils viennent égaliser avec Karmin Corp à la deuxième place en termes de points. Pour eux, Rotterdam sent bon, ça commence à sentir bon, je sais pas si on est 100% sûr, hein. Bon, il me semble pas, de toute façon on sortira les calculatrices là, dans deux semaines. Quel beau match de la part de Quadrant, mais encore une fois, ouais, cette game numéro 1 et 4, finalement, en fait, où Tundra aurait largement pu aller chercher tout ça. La deuxième game, même peut-être quelques regrets, pour bah, surtout, on a frappé énormément sur les poteaux, sur les gardiens également, mais c'est aussi un bon travail de l'autre côté, du côté de Quadrant, qui a vraiment fermé la boutique, qui a vraiment tout resserré et qui arrive à vraiment à faire de belles fulgurances, à bien exploser vers l'avant. Et faire la différence aujourd'hui, c'était contre Tundra, et c'est l'équipe qui est pour l'instant la seule invaincue dans ce deuxième régional. Ah, effectivement, invaincu pour l'instant, comme tu l'as dit, puisque BDS s'est fait éliminer. Difficile à bouger, hein, cette équipe de Quadrant. Je pense qu'elle risque de poser beaucoup plus de problèmes qu'Evil Geniuses à Vitality demain dans les demi-finales. Mais pour voir ça, il faudra être avec nous, bien évidemment, puisque c'en est terminé pour ce soir. C'était le dernier match, la dernière série de cette soirée de Rocket League. Vous avez le bracket sous les yeux, voilà, avec les résultats. Moïse qui s'est imposé 4-1 face à Ogiri, Carmine 4-2 face à BDS, et derrière on a eu double 4-0 Vitality et Quadrant. On retrouvera donc ces équipes demain à 17h, bien évidemment. Hein, le changement d'heure ne changera pas l'heure à laquelle les matchs se dérouleront. Avant de se laisser, on va procéder aux petits remerciements, bien évidemment, comme toujours. Merci à vous d'avoir été présents ce soir en nombre. Merci à tous ceux qui ont sub à la chaîne. Merci beaucoup. Merci à toi, Ima, d'avoir été là. Merci à Boyan, à la prod. Merci à Bashi et à Fufu qui étaient là au cast aussi. Merci à Sparta pour les assets. 18IC, Kefko au CM pour le community management, et l'équipe de modération, bien évidemment, qui a très très bien tenu le chat comme toujours. Merci beaucoup à tous. On se retrouve demain 17h pour la conclusion de ce second régional. Moist, Carmine, Vitality, Quadrant, qui de ces quatre équipes va s'imposer pour le deuxième tournoi européen? Réponse demain à partir de 17h.